homme de Dieu avec nous dans Jen and Jen Show. Le pasteur Malheur de Montréal. Pasteur Gustave. Alors, moi, bien content pour me là avec nous à Soya. Moi, je demande de nous rester branchés. Nous allons parler en pile bagarre. Nous allons content. Nous allons édifier. Rester branchés. Nous dans Jen and Jen's Show. C'est ça, les gars. On le dit à la Kaila. Jen and Jen's Show. Jen and Jen's Show. Jen and Jen's Show. Jen and Jen's Show. Bienvenue dans l'autre édition de Jen and Jen Show. Show parle, show pamela, show nous toutes qui regardent nous. Et m'a salué belle co-animatrice, soyons Jen. Bonjour Jen, moi content ouais, nouvelle année à rentrée 2019. Alors m'a souhaité une bonne année, santé, prospérité et que tout soit à remettre pour l'année 2019 là, pour tout rêve réaliser. Et même merci Jen, moi-même tout me souhaite la santé et me souhaite la prospérité, bonheur et pour continuer à faire petit choses ça. On connaît petit choses ça, c'est petit bébé nous, Jen and Jen Show. Exactement. Pour l'année 2019 là. Exactement. Alors Jen, à soyons nous gagnons qu'aucune chaîne invitée ensemble avec nous, yon homme de Dieu. Non, Jen and Jen Show année a bien commencé pour nous. Et comme dit homme de Dieu Jen, ça veut dire. Ça veut dire en pile bénédiction pour aller tomber dans Jen and Jen Show. Exactement. Alors, je donne bien avec nous, pasteur Gustave. Bienvenue dans Jen and Jen Show. Merci, Jen. Bonjour, pasteur. Bonjour, Jen. Ça va bien? Bienvenue, oui, ça va très bien. Merci. Alors, moi, pour profiter de l'occasion, ça pour me remercier Jen and Jen Show qui permettent que nous soyons là, soit, pour nous faire une belle émission comme ça. Je profite de l'occasion pour me saluer toute fanatique Jen and Jen's Show qui est toujours avec nous. Nous souhaitons nous assurer à prendre une chaise nous. Au moment où nous attendons là, prendre une chaise nous. Nous parlons en pile belle parole. Nous parlons édifier et nous pensons que nous avons béni pour la nouvelle année. Après, nous avons tous souhaité une bonne et heureuse année. Et nous profiter aussi pour nous saluer les caméramans qui mettent nous up to date là. Yeah, Régie! Producteur malheureux. Yes, yes. Alors Jen, comme nous toujours faisons, comme d'habitude, nous toujours saluons les fanatiques nous, qui ont gardé nous partout dans le monde entier. Mm-hmm. Fanatiques qui ont gardé nous en Haïti. Alors, je dis nous bonne année. Je souhaite nous santé, prospérité et tout ça qui est bon pour nous capables de continuer à garder l'émission pas loin, chaud pas loin, chaud nous remet en pile là. Oui, et moi, je souhaite un good happy new year to the people and the USA. Shout out. I wish you all the love, happiness, and health for 2019. Continue to follow us. Et puis, m'a salué tout le monde qui s'est domaine. Bonne année. Tout le monde est ici. Chili. Chili et Montréal. Tout exactement. Exactement. Parce que c'est là qu'on a fait chaud. Yeah, yeah, exactement. Alors, m'a pour vous dire, Pasteur Gustave, encore merci. Parce que l'été accepté venir dans l'émission, ça me connaît que déplacement pas facile, mais quand même, vous acceptez venir dans Jen and Jen Show. Jodi an pou nou fè yon bon ti débat ki pral servi an pil moun ki pral bay an pil moun konsey. Mm. Et son débat ki pral vreman sensible. Sensible chaud aussi. Alors ki a vreman édifié nan nou an menm tan. Alors pasteur, nan dizou bienvenu an Jen and Jen Show et puis nou tare mon prezante publik lan. Ki est ki pasteur Gustave? Non. Alors pou komanse, m'ap remersye nou ankòr parce D'accord. que nou fè... Pour moi-même, son plaisir parce que nous sommes là avec nous, bien que nous connaissons pas, c'est pas facile vraiment. Mm-hmm. Mais pour le besoin de la cause, nous là et puis ça fait un plaisir parce que nous sommes capables d'utiliser toute communauté nous, ça capte nous à travers le monde entier, de façon que nous permettre nous d'utiliser, ça fait toujours du bien. Alors, pour commencer, nous commençons dès le début. Oui. Non, nous c'est François Augustave Marcelin, c'est-à-dire nous avons deux prénoms. C'est un peu long, mais nous carrer les jeunes blés, Gustave, Augustave ou bien François, c'est pas un problème. Ma préponne quand même. Oui. Alors, nous sortis Haïti, nous faisons plus précisément dans le nord, nous faisons dans une ville dans le nord qui est la Victoire. Fait qu'à partir de 2010, nous entrons à Montréal avec famille, dans l'éducation familiale. Alors, nous Montréal, ensemble avec maman, nous, grand frère, nous, petit frère, nous, et puis soeur, nous tous. Là, nous sommes entrés, célibataires, mais nous avons quitté fiancé nous à Haïti. Et puis après un nombre de temps, disons en 2013, nous mariés, pour nous faire nos grâces. Nous avons un beau petit garçon qui est Jacob, une belle petite fille qui vient de naître, qui est Adassa.
Et puis Madame Panou, c'est Frida Jean-Baptiste Darlene Marcelin. Wow. Alors, nous faisons études théologiques ici à Montréal, l'université CFTE, Faculté évangélique, théologique et magique de Montréal. Okay. C'est là que nous étudions. Et puis actuellement, là, nous avons servi dans le Centre Nouvelle Vision Métropolitain, l'église que nous avons servi là-dedans. Alors, parce que c'est en gros, c'est ça que je veux dire. Alors, si vous avez une question, je vais vous présenter. C'est un petit peu difficile toujours de faire la présentation. Non, c'est assez mais bien. Mais vous avez une question et vous avez d'accord, d'accord, d'accord. Bon, Pasteur Gustave, moi-même, tu as aimé connaître depuis qui l'heure où recevoir appel de Dieu pour desservir. Bon, ça, c'est un peu comme je veux dire que je connais depuis les petits, depuis les tout petits, dans le sens que je veux dire, parce que côté de l'école, et c'était l'école Caïfrère, en primaire. Il faut que tu aies une troisième année pour être capable de servir comme enfant de cœur. Okay. Puis moi-même, je t'ai fait appel avec depuis la deuxième année pour me devenir servir comme enfant de cœur. Et puis depuis que je t'ai servi là-dedans, je t'ai senti que je t'ai bien. Je t'ai servi comme enfant de cœur. Et puis pendant que j'étais ensemble avec Prétio, nous dans l'église ensemble avec eux, je t'ai toujours senti comme quoi ils viennent chercher. Ça a fait. Service là, son bail qui vient chercher. Qui te permet que des fois, on qu'on fait 2-3 services par dimanche. Et même dans la semaine aussi, on est toujours présent dans le service qui gagne. Et puis pendant que je grandis, je viens sentir que mon vie investit là-dedans davantage. Puis qui te fait commencer à un certain, parce que j'ai 12 ans, papa de commencé à quoi? Papa m'a même commencé à suivre dans un petit séminaire côté qui prend petit monde qui petit pour me capter. Ah, ok, mais après, parce que papa m'a dévelé ça, parce que mon grand frère, il est même qui c'est pasteur aussi, qui vit aux États-Unis, papa m'a dévelé ça, il était dit pour le gagner, un prêtre, un pasteur. Mais après ça, les livres mourir, mais c'est pas ça mon dévelé de toute façon. Après ça, les livres mourir en 2008, donc ils ont changé. Et puis là, maintenant, en 2006, nous sommes ensemble avec grand frère dans Port-au-Prince. Okay. Et puis maintenant, nous avons travaillé ensemble dans l'église. Quand je viens changer totalement, je viens convertir au protestantisme. C'est-à-dire maintenant, comme j'ai mon dit, chrétien, mais en réalité, même si c'est chrétien catholique et chrétien protestantiste, c'est toujours la même chose. C'est vrai. Chrétien, mais chrétien, c'est comme, il y a une différence. Il fait l'or, c'est catholique, il y a bon l'autre nom, mais c'est l'or dans le mouvement protestant, c'est l'or au chrétien. Alors, si je vais utiliser le même thème, je te dis, alors je viens chrétien, mais c'est dans le protestantisme. Et puis, là, maintenant, pendant le même côté que je suis baptisé, en 2008, même côté à Frère, ça a été avec l'église qu'elle a dirigé, et puis même côté, je commence à diriger l'église là avec. Et puis même côté, je me sentis que ça vient de devenir une passion pour moi, ça vient de devenir comme raison d'être. Moi, je me sentis toujours dans le service ensemble avec elle. Des fois, je m'aide dans l'école dominicale, je m'aide dans la direction service là, et même c'est là que je fais premier prédication. Moi. Ça, alors et ça puis, veut dire tout le temps, bon Dieu, tu es toujours à bien chercher. Ou voilà, tu es là, tu es pensé que tu es prêt, pendant que tu es petit, mais ça a bien changé. Okay. Et d'un coup, quand on y a là, sourire la caille, dans un côté, je me sorti, et la victoire, en plus, le monde, il est mon père jusqu'à maintenant. Parce que tu es toujours pensé que c'est ça, tu es bien. Et quand y a là, ben, là, il a changé, mais en plus, là, il y a tout, il y a pas là, même sur les réseaux sociaux, il dit, ah bon Dieu, fidèle, oui, parce que, ou pas prêt, mais ou dans le ministère pareil, oui, maintenant, voilà. Tu es pasteur. C'est ça alors, qui est important. Depuis petit que je me suis senti appel là, là, mais comment pour me canaliser, peut-être que je n'ai pas assez de monde bon côté qui me permet de me canaliser. Mm-hmm. Jusqu'à ce que je me finance ma femme là, et puis permettre que maintenant je me canalise pour moi, qui voyait dans le monde que je suis maintenant, c'est-à-dire dans le côté que je m'ai servi comme pasteur. Alors, je crois que je fais avec don ça, avec appel ça. Mm-hmm. Même je ne comprends ni avec le temps. Et comme ça, pour tout le monde, c'est avec le temps qu'ils viennent comprendre, peut-être, nous t'a dit, nous pas peut-être fait trop erreur avant que nous viennent comprendre, bon Dieu fait nous grâce. Alors, je peux dire, depuis à 16 ans, que je commence à travailler vraiment là-dedans, que je comprends, c'est ça mon appel. Puis, nous t'ai toujours une petite difficulté maintenant. Parce que je parle des appels là, maintenant, comme on connaît plusieurs dans eux, plusieurs dons. En appel là, les capables pastoral, les capables évangélistes, les capables autres. Maintenant, c'était mon autre combat. Pour connaître qui j'en appelle. Est-ce que c'est pasteur ou évangéliste? Évangéliste. Parce que nous connaissons pas les mêmes fonctions. Nous prêchons les paroles même gens, mais nous pas les mêmes fonctions en tant que tel. Parce que pasteur, c'est comme un berger, il est là pour le soigner, pour le guérir, pour le protéger, pour le prendre soin. Mais, évangéliste là, lui-même,
c'est monde qui vient pour le prêcher l'évangile et puis Jean le vient c'est comme ça le ben pas besoin là il oui. Pas besoin qu'on s'il blessé s'il guérit c'est que la guerre il y a c'était mon combat c'était mon combat et à certain moment donné aussi parce que moi même en tant que tel m'étais qu'a dit m'aimer aller d'église en église m'aimer aller de ville en ville c'est à dire ça maintenant les m'appeler me dit waouh mais ça c'est l'évangéliste ça c'est pas un pasteur c'est ça jusqu'à ce que bon Dieu vienne permettre que me comprendre les dix des fois ça c'est révélation que m'a comprendre moi-même et m'a comprendre que des fois ou gain droit gain ou pas gain main bon Dieu permettre qu'on écrit avec pied ou manger avec pied mais le jour que t'a choisi faire main vienne dans place lui pied après t'es pour marcher et puis main là pour cela faire fonction qui c'est pour faire l'autre salle t'es supposé faire alors des fois qu'on gain dans nous bon Dieu qu'on bon mon chapeau pour un nombre de temps bien déterminé. Okay. Mais c'est-à-dire pour besoin de la cause, il choisit l'utiliser ou comme ça. Mais peut-être c'est pas jambe ça qu'il y ait de façon indéterminée. Mm-hmm. Okay. Alors c'est comme ça que je me dis que moi je comprends l'appel là depuis à 16 ans et puis d'ap travailler là-dedans jusqu'à maintenant et bon Dieu permet que nous comprenions. Alors nous pas qu'on est si peut-être pis devant le cas différent, mais jusqu'à maintenant d'ap travailler dans le ministère pastoral côté que lui permet que nous bon l'église avec des boybi qui nous dit qui a dirigé jusqu'à maintenant, nous voyons que ça va bien. Oui, ça va très bien. Alors, Pasteur Gustave, d'aimer que ou dit public là, qui ça ou bien qui révélation que vous avez joué, qui vous a poussé à la repentance pour vous choisir pour venir là, venir dans l'église protestante? Qui ça vous a poussé à convertir? Bon, premier pari que vous avez dit, c'était la soif. Vous avez dit, c'est soif que vous avez gagné. C'est soif que vous avez gagné pour la vérité. Soif que nous avons pour mon Dieu. Et ça te permet que nous avons soif, nous avons faim, côté que nous avons dit que nous avons avant, nous avons été sous faim, nous avons été sous soif, moi, que nous n'avons pas capable de satisfaire. Mm-hmm. Et puis, là que nous avons fait, nous avons dit que nous avons aller à la conversion, ça permet que maintenant, nous avons passé plus pendant la prière. Je ne pas dire côté que oui, nous avons des ennemis qui aident, qui ont des moyens qui permettent que nous qu'à comprendre chose, les choses de Dieu davantage. Même Kadjo, son bagage qui passait plus dans l'intimité avec Dieu. Mm-hmm. Prendre son bagage qui passait plus dans la prière. Okay. L'aurait été dans la prière, dans l'intimité avec Dieu. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul mandé, mon Dieu, depuis la volonté pour qu'on ait pas privé. Parce que deux mondes qui ont converti, son bagage qui était arrivé, et puis qu'on y a là, qui poussait à la repentance. Mm-hmm. Mais on même, est-ce que bon bagage pour ça qui arrivé, ou exactement, ou bien on juste au choix entre catholique et protestant? Non, pas qu'à dire que nous avons un bagage spécial qui est arrivé, mais qui fait ça, c'était juste le plan de Dieu. Okay. C'était le plan de Dieu qui a été choisi dans le moment ça. Peut-être c'est comme ça pour le tailler et puis le voulait comme ça. Parce que nous avons dit avant, ça fait que nous avons ensemble avec Frère Port-au-Prince, et puis pendant nous ensemble, là l'église, et puis moi-même, nous choisi à l'église avec. Et puis nous commencé à entendre la parole, et puis quand nous avons dit que nous avons dit prier avec nous, et puis prier avec l'église là. Mais bien entendu, ça m'a dit non tout, c'est que l'MT fait ça, je ne sais pas si je suis privé aussi loin. Ok, ok. Ok, je okay. Fait peut-être. Parce que ça m'a dit, est-ce que dans le moment que je suis converti, ou bien je dis que je suis converti, que c'est moment, est-ce que c'est moment ça m'a converti? Oui, bien ça. Oui. Dans le moment où tu es pris avec, est-ce que c'est les ça m'a converti? Oui. Mm-hmm. Parce que même dans le moment ça, parce que je fais le prière avec, mais je n'ai qu'à dire, comme la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Fait que moi-même, je n'ai dit, je pas senti que tu es une nouvelle création, vraiment. Mm-hmm. Malgré que tu fais le prière avec, je n'ai pas senti que tu es un changement, vraiment. Okay. Moi-même, je n'ai pas senti que tu es un grand changement. Malgré que tu as servi l'Église, je n'ai pas senti que tu es un changement, vraiment. Ok. Je vais découvrir mon changement radical dans la ville, c'est à partir de 2012-2013. Ok. Avant que je me marie. Et puis, je me suis marié. C'est là que je me sentais vraiment. Pour moi, je me suis dit conversion. Normalement, c'est la conversion vraiment qui a commencé pour moi-même à partir de 2012. Ok. Mais, changement de religion, si vous voulez prendre comme ça, pour tout le monde qui comprend ça, je vais dire en parlant de religion, on parle de protestants et catholiques. Changement, ça, il est fait en 2006, mais. Vous ne vous sentez vraiment dans l'évangile? Non, pas de sentir. Non, c'est un changement, différence là, pas de well. Parce que si il y a une conversion, il faut qu'il y ait une différence. Ouais. Fait que si pas bon avant ou après, il n'y a pas de conversion. Exactement. Non, mais ça va jamais arriver comme si vous faites d'essayer
comme si que des séries de révélations, comme si par rapport à tant qu'on a dans tant côté que vous t'as transitionné, comme si bon Dieu pas jamais fort des séries de révélations. Bon, m'a dit pendant tant ça. Oui, m'a dit grand pile révélation, mais pour moi, il a commencé vraiment à partir de 2000. Ça que m'a compris à partir de 2012-2013, c'est ça, okay. C'est-à-dire, m'a pas compte si c'est là ça vraiment. C'est ça que me situer les confessions par rapport à ça, parce que c'est là ça vraiment m'a commencé à comprendre une série de bagages de Dieu. Là ça m'a commencé à comprendre le ministère vraiment, c'est côté bon Dieu vle qui côté vle à la même, et puis là ça m'a comprendre que une série de bagages qui pas pour moi encore. On m'a senti que maintenant il y a des interdits dans la vie, vous comprenez, peut-être pas comprendre, et parce que il est ça, c'est comme plan course moins de détailler un petit peu devant, c'est ça que fait des fois, et j'aime te dire tout ça crive mon dans le ministère, mais il y a pas fini surprise. Ah ok, non, parce c'est comme plan les détailler déjà. Ok, parce que ça fait quelque chose, parce que bien des monde je dis comme ça que il fait révélation n'endormi, bon Dieu vient parler avec, comme si il vient parler avec nous, ça on dit voici alors les monde le lever comme si il vient connaît il déterminer dans ça la faire, parce que bon Dieu gagne temps montrer ça pour le faire, alors c'est dans ce sens ça. D'accord, avoir dans ce sens on dit après, mais l'autre point que nous avons fait par rapport à ça, c'est que et oui, bon Dieu parlait. Il parlait dans rêve, il parlait dans vision, il parlait Jean Vlé. Mais ça qui est important pour nous comprendre, c'est que, comme Job dit, bon Dieu parlait tantôt de une manière, tantôt de l'autre manière. C'est que ça qui est important, que nous toujours disons à travers l'Église, c'est que si bon bagaille, bon Dieu pas permettre que l'homme maîtrise, c'est sa manière d'agir. C'est comme comment le bras le fait. Li djou sa va le faire, mais konn comment le va le faire là, c'est-à-dire que li agit Jean Levlé. Levlé. Il pas besoin conseil de personne pour choisir Jean la faire là. C'est que des fois, c'est-à-dire me pas prendre compte monde qui dit peut-être c'est bon Dieu t'es ballon révélation mais qui Jean. En pile là c'est vrai, mais des fois c'est plus facile pour faire accepter l'autre doute et font révélation. Exactement. C'est plus facile pour l'autre pasteur accepter ou. Parce que moi-même dans le ministère pastoral que j'ai gagné, immédiatement que yon soeur, yon frère, yon pasteur vient dire bon Dieu dit, je vais me balader, mais c'est fini. J'ai rien à dire, j'ai rien à ajouter. Si c'est bon Dieu qui dit ou, qui est-ce moi pour me dire contre? Qui est-ce moi pour m'argumenter? Oui, c'est vrai. De vous dire bon Dieu dit ou, c'est appel ou, mais la différence c'est que on va voir avec année qui vient ou, nous parlons parce que bon Dieu va mentir. C'est vrai. Oui. Ça veut dire, si bon Dieu pas menti, nous parlons ouais, si c'est bon Dieu t'es doux, ou bien si c'est où t'es dit t'es tout, que bon Dieu t'es doux. Mais ça n'a pas au fil des années. Vous comprenez? Et nous avons plus de ministère, il y aura aller comme ça, parce que des fois, c'est plus facile pour monde faire le monde accepter, pour faire l'église accepter, c'est bon Dieu qui dit. C'est vrai. Mais la Bible pas nous dit non, bon Dieu pas menti. Non, ça c'est vrai. Alors pour nous rentrer dans le sujet initial, nous à souhait, hein? Son sujet qui est très sensible, parce que Gustave, comme pasteur Gustave, se présente nous qui est le côté sorti, parce qu'il faut que nous connaissions à qui nous allons parler. Tout d'abord, avant que nous rentrions dans le sujet émission. Alors, sujet émission, nous, parce que Gustave, en tant que pasteur, nous invitons parce que nous connaissons qu'au cas plus éclairer la situation ça, par rapport à une histoire que. Nous faisons enquête nous et que nous connaissons de bonnes sources. Yo jeune fille qui est dans l'église. Jeune fille ça, elle est dans la chorale, elle est dans toute bagaille dans l'église. Mais yo bonjour comme ça, elle vient découvrir que elle est lesbienne, en bon créole qui c'est ma divine pour monde qui parle créole là bien. Alors elle vient apprendre ça, elle mande en réunion l'église. Mais tonti j'ai peur. Pour être capable de présenter l'église cause parce que par contre qui genre de jugement il va balle. Alors elle vient décider qu'on y a le mandat réunion l'église, réunir pasteur, comité d'église pour le bail. Causer. Yo fin tendel. Yo vin comme si comme conclusion que il va donner dans l'église là encore. Il va donner dans l'église là encore place si pas là parce que il n'est pas supposé lesbienne pour l'homme dans l'église et puis pour la faire une série de bagages. Alors, qui sont pensés de l'histoire, ça, pasteur? Parce que, notamment, mais qu'on est plus et puis, il y a un pile l'autre monde peut-être qui a un genre de bagages, ça, non, qui est dans l'église, qui n'est pas capable de qui t'a bien précisé, il y a vraiment mis deux, ni dans le choral,
ni l'église. Dans toute activité net. Et puis, même Livin, non seulement on ne pas jamais mettre pied encore. Alors, en tant que pasteur, comment trouve la situation ça? Bon. Son situation très sensible. De l'IA, son situation qui est vraiment délicate. Délicate, très sensible. Qui est très sensible. Parce que la donne qui s'en ouè, l'église comme institution, nous ouè pasteur comme étant le berger, et puis nous ouè jeune ça comme étant yon homme, yon monde qui remplit de valeur aux yeux de Dieu. Et m'parle avant tout, m'parle des institutions d'examen, nous ouè tout le monde qui forme des institutions. Qui en des institutions. C'est-à-dire, ça que m'bral dit là, c'est-à-dire, m'ka dit normalement, c'est opinion pam, en tant que pasteur aussi, ça. T'es qu'à arriver, peut-être ça qu'à pour arriver, on sait jamais. Vous comprenez? Moi, j'en connais. Mais, et vous voulez où est position Christ par rapport à ça? Parce que l'on parle des sujets, ça, en tant que pasteur, premier bagage que nous gagnons comme modèle, premier monde nous gagnons comme modèle, c'est Christ. Ok? Nous gagnons comme modèle parce qu'il dit c'est lui-même le vrai pasteur. Il est le pasteur des bruits. Elle dit nous-mêmes, c'est comme nous te dit Jean, nous souvent dit nous c'est pasteur titulaire, nous c'est pasteur en chef, mais pasteur en chef de l'église là, couvre le commandé, il était Christ. Exactement. Elle dit nous-mêmes, nous c'est pasteur qui vient après. Ouais. Décision finale là, c'est Christ qui vient. Vous comprenez? Et c'est ça qui fait tout ça, nous vient pour nous faire tout. Toute décision qui vient pour nous faire, qui vient pour avec l'église, c'est pas une décision que tu as supposé prendre comme ça, il y a la vie. C'est une décision que tu as pour. Prends dans la prière, dans la consécration, qui sa bon Dieu, qui prenne vue bon Dieu par rapport à telle situation. Nan kapam pasteur qui sont tap fait ou même, si ça t'arrive dans l'église pour. Nan kapam qui ça m'tap fait. Premièrement, j'aime dire là m'tap essayer agir, faire tout ça qui dépend de moi pour m'agir dans pour Christ. Parce que c'est lui-même qui modèle nous et c'est lui nous devons suivre. Qui ça lui-même l'étape fait dans une situation comme ça. À travers la Bible, nous ouais. Jésus vini. Mais son monde qui était très méprisé et même rejeté. Et nous t'a dit même il mourit par rapport à position. Par rapport à compréhension qu'il portait dans l'évangile. Parce que depuis des centaines d'années, grosse série de monde qui vivent dans système. Dans système qui garde eux, qui fait affaire. Dans système qui permet que pharisiens ou bien docteurs toujours être avec une robe blanche avec bas blanc. Et puis, des vies, mon paraît devant eux, puis c'est tête à tête. Et Babylon ne retourne sous mon nom. C'est la même chose. Il paraît tête à tête, mais pour eux, mon ça, c'est un saint. Mais pour eux, son mon qui pire. Mais pour eux, c'est Christ même qu'on est. Vous comprenez? C'est-à-dire que tradition, ça, il fait affaire. Maintenant, Jésus va venir avec l'autre évangile pour dire que ça, il nous a fait faire. C'était acceptable dans le moment, dans l'année, mais maintenant, les choses ont changé. Les gens viennent avec l'autre l'évangile. Comme il dit dans Matthieu, vous avez appris qu'il a été dit. Ou tu apprends que Moïse t'a dit. Il t'a dit comme ça. Mais moi-même, mais ça me dit. Et ça me dit, ah, c'est lui-même qui vérité. Maintenant, si que, en tant que pasteur, ça arrive, premier monde, j'aime dire, c'est qui ça Jésus lui-même qui a fait. La ville sur la terre, comment elle était? Il était très méprisé, rejeté, et même il était mort par rapport à position, parce qu'il dit, moi-même d'abord, je ne suis pas venu pour les gens qui comprennent que c'est juste. Mais je suis venu pour les gens qui perdent. Pour les gens qui sont conscients que c'est malade. Pour les gens qui sont conscients que c'est un problème, et bien c'est pour eux que je suis venu pour me guérir. Donc, on regarde le ministère Jésus parcouru. Pas de yon cap te présenté devant comme yon pécheur. Que Jésus te royale parce qu'il était impuissant. Oui, nous comprenons tout ce que dit Biola. Même si vous avez dans 4 jeunes filles, vous parlez clairement. Ils sont parce que tout le monde a aimé connaître. Faut qu'on parle clairement. Ok, je suis pasteur, mais ça me fait, mais ça me dit dit jeunes filles, mais qui savent. Vous voulez montrer directement. Oui, ça m'a dit. Tout ça m'a dit, c'est pour montrer la dedans directement. Oui, oui, bien sûr. Parce que je parle de jeunes filles là, qui sont à faire. Parce que tout le monde a aimé connaître si ça t'arrive, qui Jean pasteur t'a pas agi. Vous comprenez que vous parlez de Jésus, tout ça, Jésus t'a capable de faire, mais. Pour nous bien comprendre la situation, il faut que nous restions sous 4 jeunes filles en tant que pasteur de l'église, nous avons comme ça. Mais qui ça m'a fait? La plus claire pour nous. Vous voulez montrer directement la dedans? Oui, parce que nous voulons connaître
en tant que pasteur qui est à qui soit à faire étape par étape qui ça que ou tout à fait est-ce que tu as pris un moment de recul est-ce que tu as pas à méditer sur ça ouais qui ça bon Dieu voilà exactement ça apporter bah comme message pour pas le froisser producteur sur une bagaille nous voulons vraiment pour bah nous étape par étape qui Jean samedi qui est important que nous devons comprendre samedi c'est que c'est tapis m'a privé la donne pour moi les Jésus jeune casaio qui ça le fait qui se mettre l'évangile là moi même pas mettre l'évangile là non c'est Jésus qui met l'évangile là c'est lui mourir pour ben la vie oui lui juste permettre que moi même lui fait grâce pour permettre que me participer la donne dans le sens que me capable permettre expliquer pour m'édifier oui Jésus premièrement les sous-sous de l'île pour l'entrée Jéricho. Il rencontre un homme qui les achète. Qu'est-ce monsieur, pasteur, bon pour comprendre. Ma pente. Pendant qu'on rencontre Zaché, mais Zaché, son monde, son un personnage de mauvaise vie. Son républicain. C'est-à-dire, dès le bal des républicains, son monde qui a volé. Oui. Ok? C'est comme ça, ouais. Mais Jésus, parce que Zaché, lui, maintenant, lui, tendez Jésus d'être passé, il dit le tard, mais ouais, Jésus. Ils font effort. Ils montent son pied droit qui est un peu haut. Pendant Jésus dans toute foule là l'a marché et puis Jésus va lever Dieu pour le garder et puis dit ça chez descend jodi a c'est la caillou même que me poil faire la descente et puis laisse ça tout le monde était fâché et c'est là où Jésus comportement attitude les gens prêcher l'évangile bah le problème bah mon problème monde qui peut comprendre qui peut mais monde qui gon bagaille y a des fans qui fait affaire pareil exactement maintenant Jésus va rentrer la caisse Zaché immédiatement qu'il rentre la caisse Zaché automatiquement la vie Zaché change juste présence de 40 dans caisse Zaché va venir comprendre que pour dire que toute ça le volé la répétition et l'a augmenté même c'est comme si Zaché va chercher monde qu'il le volé pour la remettre c'est-à-dire que Jésus venait pour monde de mauvaise vie même d'abord pour bailler une vie nouvelle. Exactement. Alors moi même dans cas ça qui ça me t'a fait, dans une situation comme ça, premièrement, m'arrêter quoi ces 50 jours de jeûne et de prière qui parle parce que la Bible là, parce que avant même d'être berger, Jésus parle du Pierre en bagage qui est très important après trahison Pierre avec Jésus. Les filles, Pierre parle dit Jésus parle dit Pierre trois fois est-ce qu'on même ça non songe. Et puis les filles répondent les dit soi même Père mes brebis. Prends soin petit moi. Ou pas qu'à perdre. Parce que souvent, comme pasteur, nous choisissons pour nous joindre à l'église, côté que tout le monde la donne, c'est les anges qui sont là. Tout le monde est dans le ciel, Yoshita. Il est trop facile comme travail. C'est ça, mes amis. Parce que tout le monde est dans le ciel. Il est trop facile. Nous pas qu'à aimer joindre à l'église, côté que il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui sont en difficulté et des gens qui ont besoin de l'évangile. Et des gens qui ont besoin d'assistance. Nous. Il y a des gens qui ont besoin pour nous soigner. Parce que les brebis sont malades. Ce n'est pas tiré. Mais j'ai envie de tirer le jeté. Mais qui ça pour faire? Il faut le prendre pour le soigner. Voilà, dans le cas, moi-même, si vous voulez, j'en voulais directement. Oui. Dans le cas, pas de rien, aucune situation possible qui t'a permis que pour mettre le jeune fils à dehors. Ok. Jamais. On ne va jamais mettre le jamais. Ok. Processus là maintenant. Qui ça me donne qui ça me d'après avec une jeune fille comme ça premièrement il fait bien parce que l'invité me dans réunion ça me pas connait s'il t'a gagné tout comité l'église là ou bien si c'est moi même personnellement qui t'a choisi parler avec elle et puis s'il t'a choisi parler avec personnellement moi t'a demandé permission est-ce que me ca mettre comité l'église là au courant de ça d'abord parce que pour qui ça m'a obligé mettre comité l'église là au courant parce que normalement les poils viennent prendre recul dans travail que le qu'on fait dans ministère. Parce que ça qui est important pour nous comprendre, démissionner dans un ministère par dire démissionner dans l'église. Et parce que quelqu'un doit démissionner tout dans l'église par dire démissionner dans le ministère. C'est vice versa. Parce que quelqu'un doit dans l'église m'a servi comme pasteur et puis me démissionner comme pasteur dans l'église, même pas démissionner de ministère pastoralement. Même démissionner dans l'église côté m'a servi à dans moment ça c'est place là de démissionner mais c'est pas avec Dieu. Voilà pourquoi aussi ou qu'a démissionné dans l'église dans ça où te qu'on fait à tout et pour toujours être l'église là. Exactement. Alors, dans cas ça, qui ça t'a fait Jean Dulam t'a joindre avec jeune nan qui demandé rencontre là et puis nous t'a discuté avec elle est-ce que
jeune comité, je vais expliquer pour qui ça. Jeune comité, parce que d'abord, il y a un droit de comité au courant, et puis il y a un droit. Oui, il y a un droit. Il respecter. Ah, exactement. Mais maintenant, je demandé pour qui ça, je vais mettre au courant, parce que, veut pas, il prend dans une situation où il n'a pas servi l'église encore, parce qu'il était dans le choral, il était dans le groupe, il était dans un paquet de travail dans l'église là. Alors, qui ça qui fait le pape casser l'église encore? Parce que il y a une situation côté que il n'est pas apte pour le servir dans le sacerdoce. Ok, mais bon. Il finit de révéler ça. Mais tout le temps que nous ne connaissons pas, dame ça, il a bien fonctionné, il a fait service, mon Dieu. Pour qui ça, c'est au moment que il révèle que. Lisons ma divine que là l'obligé couper toute sa affaire puis la fini puis obligé retirer toute fonction. Pour qui ça? Parce que c'est deux bagailles qui pas marché. Vu que le lien avec le sacerdoce, c'est deux bagailles qui il peut dire qui opposé. Parce que pour servir dans le sacerdoce, bon principe pour gagner. Maintenant m'a tourner avant dans question que posé avant. Parce que ça fait demander ça qu'on est parce que nous gagne puis nous cap regarder nous, c'est toutes des questions. Non, c'est important ça vous dire parce qu'on dit oui. Parce que ça arrive nous pile parce que et ça fait la Bible pour dire dans Timothée, les petits conseils de monde, le regarder, le, ça prend l'esprit de Dieu pour discerner ville. Parce que là où elle, toute salba ou comme apparence là, c'est l'incarnation de la sainteté. Mon sont professionnels. Mais maintenant, l'autre barrière que je veux comprendre, c'est que c'est ça la Bible dit, les choses cachées sont à Dieu. Les choses révélées sont à nous. Ou pas dire pour qui ça est-ce que c'est parce que je suis pas capable juste garder pour me connaître la ville. Mais ça c'est si bon Dieu veut. Oui, parce que avant tout non, non seulement don, mais faut bon Dieu veut révéler parce que c'est pas parce que bon Dieu bon don faut qu'on tout bagaille. Don pas pour Dieu. C'est vrai. Parce que différent ça pour faire un homme de Dieu n'est pas Dieu. Mais parce que est-ce que pas bon côté dans la Bible là qui parlait de sous lesbienne ou bien gay masici que non Dieu bon Dieu pas accepter ça. Est-ce que bon quoi bon côté dans la Bible là qui marque ça non? Oui, c'est dans Lévitique qui parle. GNG Show.